Salut les carencés! C'est la vidéo la plus attendue de ma chaîne YouTube, je crois. Ça fait des mois que je l'écris. J'ai des pages et des pages et des pages de notes. J'ai aussi enregistré des vocaux de temps en temps sur mon téléphone quand il me venait des idées à l'esprit. Le but de cette vidéo, ça va être non pas de s'apitoyer sur notre sort du fait qu'on est seul quand on est végane, mais de vous aider à mieux vivre en étant végane et seule. Je vais vous faire part de mon expérience en fait, puisque je suis végane dans un monde spéciste. On n'est pas beaucoup à être végane, donc aujourd'hui je pense nécessaire de prendre la parole et j'espère que ça vous aidera. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube et que tu es habitué plutôt à me voir en cuisine avec mon tablier, en parlant comme ça, en faisant plein de blagues et des proutes, aujourd'hui ce sera un format un peu différent, je vais vous parler à cœur ouvert, on va prendre le temps. Donc installe-toi, cette vidéo va être longue, c'est important d'en parler, il faut en parler. La solitude quand on est végane, malheureusement ça fait partie du vegan lifestyle. Donc je vais pas compter les minutes sur cette vidéo là. Si cette vidéo doit faire 1h30, elle fera 1h30. Donc tu peux la regarder en plusieurs fois, tu peux l'écouter comme un podcast en cuisinant, en faisant le ménage ou que sais-je. Ça fait des mois que j'ai envie de faire cette vidéo, depuis fin août en vérité, parce que fin août j'ai failli tout arrêter, justement lié à une période de grande solitude liée à mon véganisme. Et j'ai sombré dans une négativité, dans un ras-le-bol et dans une grande souffrance. Donc je pouvais pas faire cette vidéo, je peux pas vous conseiller si moi ça va pas. Aujourd'hui ça va, j'ai mis en place plein de choses et je mets en place plein de choses depuis 8 ans. Et aujourd'hui, ben, il est temps pour moi de vous aider, de vous prendre par la main et de vous dire moi ce qui m'aide en fait au quotidien à mieux gérer le fait que quand on choisit ce mode de vie, on est isolé. Soit parce qu'on s'isole nous-mêmes par besoin ou par dépit, ou parce qu'on est exclu et rejeté par notre entourage. L'entourage, ça va être la famille, les proches, les collègues du bureau, tout ça. C'est le bordel autour de moi dans le village aujourd'hui, on est samedi, il y a le voisin qui élague et ça est, il y a l'autre qui fait les travaux dans son grenier, à tout moment il y a celui d'ici qui décide d'ouvrir son garage et de couper du bois, je sais pas. Et il y a les enfants de la voisine à côté qui adorent jouer en criant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de parasites sonores dans cette vidéo. Voilà, donc moi ça va en ce moment, je suis dans une bonne phase, ça va très bien, vous le voyez, quand ça va, je suis hyper productive sur ma chaîne YouTube, je vous propose plein de contenus, j'ai envie de parler, j'ai envie de me montrer, je suis fière de qui on est, je vous propose plein de recettes, j'ai plein d'idées créatives, et parfois ça va pas. Là je suis dans une bonne phase, mais j'ai aussi des phases où ça va pas. Et ben, on va commencer cette vidéo avec cette notion de phase. Si en ce moment ça va pas, regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Et si ça va, regarde aussi cette vidéo pour entretenir cette bonne énergie. Et je sais que je suis pas à l'abri dans un mois ou deux, dans 6 mois ou l'année prochaine de devoir retraverser un creux de vague. Donc cette vidéo je me la fais pour moi aussi en fait. Il y a une chose qui a changé ma vie, que j'ai compris récemment, c'est la notion de zone, zone de confort, zone hostile et zone de sécurité. Je vais commencer ma vidéo avec ces trois notions parce que je veux que tout le monde entende ça. Je sais pas si tout le monde ira jusqu'à la fin de cette vidéo, mais ça c'est super important, c'est ce qui m'a le plus aidé ces 8 dernières années.
Donc ce qui s'est passé fin août, c'est qu'en fait, j'ai enchaîné les événements où j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas véganes et tout son lot de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que des événements, bah, c'est l'été en fait. L'été, c'est toujours difficile parce que c'est la période des barbecues, c'est la période des grillades et c'est un moment où on est beaucoup bah, en contact social. Moi, je sors beaucoup plus, je rencontre des gens, je vais dans des apéros, des dîners, des fêtes. Et en fait, c'est le moment de l'année où on est le plus confronté aux autres. Et donc, c'est le moment de l'année où on est le plus confronté à notre différence. Dans l'année, il y a plein de moments difficiles. La phase de Noël, c'est l'horreur. Pâques, c'est l'horreur. Mais à chaque fois, c'est des dynamiques différentes. Et j'ai eu une année très compliquée l'année dernière. Et si tu veux, la fin de l'été, ça a été comme un coup de massue derrière la tête. Et j'ai craqué, quoi. Ça a été un trop plein, voilà, j'ai complètement débordé, je pouvais pas porter tout ça en fait. Et cette solitude, on la ressent différemment au cours de l'année, ou selon les événements, ou selon ce qu'on fait. Mais on la ressent quotidiennement. C'est pas forcément à cause des autres, on n'est pas forcément tout le temps agressé, mais ça va juste être le fait d'être à table, le seul vegan, avec que des personnes qui mangent de la viande, du fromage et qui se régalent avec des pizzas qui vont chez McDo. C'est hyper violent pour nous parce que nous on a changé de perception par rapport à ce que c'est que de la viande, tu vois. On a toutes les images qu'on a vues, des abattoirs, des maltraitances dans l'élevage. Le fromage et le lait, c'est pareil quoi, c'est l'horreur. Et en plus de ça, quand on est à table, on reçoit toujours ben voilà, soit des attaques, soit des agressions, soit des questions auxquelles on ne peut pas répondre dans ces conditions-là. Ou sans être forcément à table, mais juste ben, prendre l'apéro avec ses potes, ou être, je sais pas moi, en balade, ou au bord de la piscine, ou à la plage. Et entendre des discours qui pour nous sont inaudibles ou complètement incohérents ou voilà, on se sent en décalage par rapport à leurs opinions et où est-ce qu'on se place quand j'entends un discours de quelqu'un qui se sent concerné par l'écologie en train de manger de la viande ou du poisson. J'ai quand même envie de la ramener, mais j'ai pas envie d'entretenir les préjugés de la végane relou, moralisatrice. Donc c'est hyper difficile de gérer soi et ses convictions avec les autres et de gérer comment est-ce qu'on doit assouplir notre discours et notre pensée. J'ai trahi mes convictions plein de fois dans des discussions où j'avais peur que l'autre se braque et ne comprenne pas mon message et fasse des raccourcis et j'ai acquiescé sur des choses avec lesquelles je suis pas d'accord parfois, quoi. Mais on a peur de paraître trop radical, on a peur de voilà qu'on dise de nous qu'on est extrême. Parce qu'on a envie que le message passe et de faire comprendre à nos proches ou à des gens qu'on connaît pas qu'on fait juste preuve de bon sens et qu'on n'est pas dans une radicalité. On est juste conscient de la réalité et on essaye de faire les choses de façon juste. Et c'est difficile, voilà. Et en fait, cette solitude, tu peux la ressentir donc avec les autres ou avec toi seul. Et en fait, moi, je me sens souvent plus seule avec les autres que quand je suis toute seule avec moi-même. Et c'est là le danger. C'est là que c'est pas bon. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Et donc à la fin de l'été, j'étais dans le train, j'étais en larmes, j'arrêtais pas de pleurer. Il y a tout qui est sorti d'un coup parce que j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. J'ai encaissé les réflexions, les moqueries, les discussions, la surinformation des réseaux sociaux où quotidiennement on est témoin d'un acte de cruauté envers un animal. Et ce trop-plein a fait que j'ai complètement craqué, j'étais dans le train en larmes, j'arrêtais pas de pleurer. Et j'étais par terre entre deux wagons parce que je pouvais pas rester dans le wagon. Vraiment, je pleurais. Il y a tout qui est sorti à gros sanglots et je pouvais plus le contenir. Et il y avait des passagers, tu vois, et tout le monde te regarde comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle vit en deuil? Non, non, elle est juste végane, quoi. Et le réflexe que j'ai eu, qui est le premier réflexe à avoir, hein, c'est de contacter des amis
à qui parler. Donc dans ces cas-là, je sais qui appeler. Il y a 3 personnes. Ce sont des personnes qui me comprennent intimement parce que eux aussi sont comme moi et vivent les mêmes choses que moi. Et sans parler, ils me comprennent. Et j'ai juste envoyé un texto en mode ça va pas, je suis en train de craquer. Parce que dans ces cas-là, c'est important d'avoir un avis extérieur. Quand tu es dedans, tu es dans ta souffrance. Et moi, j'étais complètement dans le trouble, quoi. Il y a tout qui remonte, il y a tout qui se mélange, ça fait un gros nœud. Et tout est négatif, tout est noir, quoi. Donc ce jour-là, j'ai écrit à 3 personnes. Bon, il y en a une qui est au Canada, donc elle dormait. Une autre, elle travaillait. Et c'est JM, pour ceux qui le connaissent, qui m'a tenue au téléphone pendant 1h30. Et il m'a parlé pendant 1h30. Moi, je pleurais. Je parlais pas beaucoup. C'est lui, en fait, beaucoup qui m'a parlé, qui m'a rassurée et qui m'a fait voir les choses d'une façon plus claire, voilà. Parce que dans ces moments-là, on est juste submergé par notre empathie et on ne voit les choses plus qu'au travers de cette empathie et de notre sensibilité, hypersensibilité. J'aime pas le mot hypersensible, tout le monde me dit « t'es hypersensible ». Non, je suis juste sensible dans un monde qui tourne à l'envers. Et ça déborde parce qu'on parle de violence, on parle de choses brutales, graves, sombres, hardcore, quoi. Et que ça nous brise. Donc c'est hyper important dans ces moments-là d'avoir un soutien extérieur, une voix qui nous ramène un peu à la réalité et qui nous dit « t'inquiète, ça va, moi aussi je vis ce que tu vis, on vit dans ce monde-là ». Donc c'est hyper important dans ces cas-là d'avoir un avis extérieur à soi, quoi. Et pas venant d'un proche qui n'est pas dans cette démarche de ne pas manger les animaux, qui n'est pas végétarien ou végétalien, voilà, disons-le. Parce que ça peut entretenir aussi ce sentiment d'être incompris, d'être seul. Bref, mais j'y reviendrai plus tard. Ça aussi, c'est hyper important. Et donc, JM m'a dit un truc ce jour-là. Moi, j'attendais qu'il me réconforte, tu vois. Et il me dit, mais Eva, tu t'es mise toute seule dans ce merdier. Tu as choisi de te mettre dans cette situation. Tu savais très bien ce que tu allais vivre. Je sais très bien à quoi m'attendre en vivant une semaine de vacances avec 20 personnes en étant la seule végane. J'ai eu beau me préparer, j'ai eu beau me dire que non, ça va le faire, je savais très bien que j'allais m'en prendre plein la gueule. Et ça a pas loupé, dès les 10 premières minutes de mon arrivée, j'ai commencé à me recevoir des réflexions de merde dans la tronche. Dès la première heure, ouais, une première provocation où le mec a mis au défi mon véganisme. J'étais là, putain, mais comment il le sait? Bon, en même temps, moi j'arrive dans une pièce, maintenant tout le monde est au courant, tu vois. Quelle idée de faire une chaîne YouTube et de montrer mon visage. Donc déjà, ça commençait mal, mais tu te dis, ça va, c'est normal. Et 10 minutes après, une meuf qui me dit, ah Eva, on t'a acheté de la truite pour te faire des options végétariennes. Eh, je savais. Je savais. Et donc à partir de là, il me dit « Eva, voilà, t'étais dans une zone hostile, c'est tout. T'inquiète pas, tu vas revenir chez toi, dans ta zone de confort, et puis tu vas retrouver ta communauté, voilà, ce sera ta zone de sécurité. » Et j'avais jamais vraiment réfléchi à cette notion de zone. La zone de confort, oui, mais la zone hostile et la zone de sécurité, non. J'avais jamais réfléchi à ça. Et depuis que j'envisage les événements en fonction de ces zones-là, c'est bon, tout a changé. En fait, moi, mon comportement et où placer ma sensibilité et comment je me distance de l'interlocuteur que j'ai en face de moi ou pas, ça dépend de la zone dans laquelle je suis. Et j'ai pas le même comportement selon les zones. Et je choisis, j'équilibre ma présence dans telle ou telle zone. Ce qui s'est passé à la fin de l'été, c'est que j'ai enchaîné les zones hostiles. Et là, forcément, j'ai craqué, j'ai eu envie de me tirer une balle et tout arrêter. La zone de confort, ma zone de confort, par exemple, c'est chez moi. Là. C'est mon lit, ma salle de bain, ma cuisine, mon frigo, mes placards, mon bureau. Ma zone de confort, c'est la salle de sport.
Ma zone de confort, c'est chaque fois que je me balade dans la nature. Ma zone de confort, c'est quand je vais prendre des cours de respiration pour me calmer. Ma zone de confort, c'est quand je me fais un chocolat chaud. Ma zone de confort, ta zone de confort, c'est la plus importante, c'est celle qu'il faut que tu construises. C'est celle qui nous repose. C'est celle dans laquelle on se ressource, on se régénère et où on se sent bien, quoi. C'est celle où on se sent le mieux. Et tu vois, dans une de mes vidéos où je parlais de petit budget, je crois que c'est dans mon gratin de pâtes, j'ai dit une grosse connerie. J'ai dit que on s'en fout de acheter des trucs déco pour la maison. Et après réflexion, en fait, je me suis dit c'est complètement faux. Moi, par exemple, ce qui me fait me sentir bien chez moi, c'est des plantes. C'est pour habiller mon intérieur et je me sens bien chez moi, en fait. C'est hyper important parce que je me sens tellement mal à l'extérieur, je me sens tellement agressée quotidiennement par tout, quoi, tu vois, que une fois que je rentre chez moi, je ferme la porte, c'est chez moi et ça me ressemble et c'est ici que je me repose, c'est ma bulle et c'est ma limite. Et mes amis le savent et le respectent, chez moi, il n'y a pas un bout de saucisson ou de poisson qui rentre. Et c'est hyper important que tu crées ta zone de confort. Et c'est un investissement. C'est pour ça que c'est une connerie d'avoir dit ça. C'est pas complètement une connerie. Ça te coûte pas forcément cher que de créer ta zone de confort. J'ai acheté des petits lampions pour mettre dans ma chambre, pour mettre des jolies lumières, tu vois. Ça m'a coûté 2 balles. Et ouais, commence par là. Prendre soin de son nid. Prends soin de ton nid. C'est hyper important que tu aies un lieu où te réfugier. Toi et toi seul, quoi, tu vois. Où il n'y a personne qui va venir te faire chier. Et quoi que tu fasses dans ta vie, quoi, cette zone de confort, pour moi, elle a été essentielle aussi quand j'étais en mission sur des bateaux. Ma zone de confort, c'était ma couchette. Selon les missions, soit c'est des missions calmes, soit c'est des missions physiques et émotionnellement très prenantes. Quand tu es en mission avec Sea Shepherd, à la fin de journée, si t'es pas en 24 heures, ou pendant ton quart de repos, quand tu vas dans ta couchette ou dans ta cabine et que tu tires le rideau, c'est ton espace, c'est ton moment de repos, même par rapport aux autres, tu vois, d'être sur un bateau, de vivre en communauté avec des gens et tout, ta cabine ou ton lit, ta couchette, c'est ton espace à toi, a priori, il n'y a personne qui va y venir. Et une fois à terre, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Chez moi, tout le monde n'est pas le bienvenu. C'est un espace où il y a des limites, voilà. Donc déjà, prends-toi un papier, un stylo et tu fais une liste. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? Et là, tu vas comprendre où sont tes zones. Tout ce qui te fait du bien, ça va être lié à ta zone de confort. Tout ce qui te fait du mal, qui te fait souffrir, qui te fait sentir comme une grosse merde, c'est la zone hostile. La zone hostile, bon, il y a une échelle d'hostilité, forcément, selon ce que tu fais. On va dire qu'au quotidien, la plus fréquente, ça va être les repas. Les repas en famille, les repas avec des gens qu'on ne connaît pas, ou les soirées. Les soirées où tu passes un bon moment, voilà, tu danses et tout, à 2 h du matin, il y a quelqu'un complètement bourré qui va venir te parler de ton véganisme. À plus grande échelle, une zone hostile, pour tous les activistes de la cause animale, ça va être quand on fait des actions directes. Donc libérer des animaux d'élevage, donc faire des grandes missions d'anti-braconnage, ou intervenir dans une arène pendant une corrida, ou s'enchaîner aux barrières de Maryland, voilà. Ou prendre la parole, je pense aux politiques notamment, prendre la parole pour la défense des animaux devant une audience d'anti-vegan, de chasseurs ou d'éleveurs, compliqué. Et forcément, tu te comportes pas de la même façon quand tu es seul chez toi dans ton lit en train de te reposer que quand tu es en train de faire une action directe face à des braconniers. Ou quand tu es à table et que tu dois débattre et justifier tes choix de vie. Ça demande de l'énergie, ça demande une autre énergie dans ta zone de confort. C'est une zone où tu dépenses très peu d'énergie, ou du moins c'est une énergie que tu dépenses pour toi, pour consolider ta solidité mentale, ta santé physique. Mais c'est pas une énergie qui est liée à la lutte pour la protection animale. Tu vois ce que je veux dire? Cette énergie-là, tu la nourris pendant ta zone de confort,
C'est-à-dire que tu vas nourrir ton bien-être, ton calme intérieur, ta bonne santé physique, tu vas te cultiver, tu vas lire des choses, tu vas regarder des documentaires, tu te solidifies. Et tout ça, tu le mets au service ensuite, si besoin, dans les zones hostiles. Tu vois? Et entre ces deux zones-là, tu as la zone de sécurité. C'est la zone où tu peux être toi-même en société. Ça, c'est la meilleure et elle est très importante parce qu'on a besoin de contact humain. On peut pas vivre seul. Enfin, on peut, mais c'est dur. Par exemple, ma zone de sécurité, ça va être quand je suis dans des événements liés à ma communauté. Donc dès qu'il y a, je sais pas, un pique-nique vegan organisé à côté de chez moi, une rando vegan organisée, des apéros L214, des villages vegan, des conférences, un festival militant qui parle de la protection animale. Ma plus grande zone de sécurité, c'est les bateaux de Sea Shepherd. C'est pour ça que c'est essentiel pour moi d'y retourner chaque année. Déjà parce que c'est là que je me sens le plus en phase avec mes convictions intimes et parce que je suis entourée de personnes qui ont ces mêmes convictions et ce même degré d'engagement. Et j'ai besoin d'être entourée de mes amis et de rencontrer des nouvelles personnes chaque année qui ont ce même haut degré d'engagement que j'ai, puisqu'on fait partie des gens qui sont prêts à mettre leur ego de côté au service d'une cause et qui ont le sens du sacrifice. Et ça, c'est assez rare. Ah, j'ai plus de batterie, putain, ça fait une heure que je tourne, ça veut dire... Comment je vais faire? J'ai tellement de choses à dire. Une zone safe, la prochaine zone safe dans laquelle je vais être, ça va être le Veggie World à Paris, en avril. Ça, c'est une grosse zone safe. D'ailleurs, c'est officiel, je donne une conférence au Veggie World le 3 avril, à Paris. Et moi, je vais y venir les deux jours parce que, pour le coup, ça fait du bien d'être au Veggie World ou dans des gros événements comme ça, où c'est un rendez-vous national de toute notre communauté. Et moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de traverser des zones de sécurité, de vivre des zones de sécurité pour ensuite garder mon calme dans les zones hostiles. Tu commences à comprendre ? Voilà, je suis trop impatiente de faire ma conférence devant des personnes qui m'écoutent, qui ont payé leur place pour venir m'écouter. Tu te rends compte ? Ça va être ma plus grande zone de sécurité aussi. Même si ça m'intimide et que ça me stresse, c'est lié à la zone de sécurité. Dans une zone de sécurité, on se sent légitime. Je vais me sentir légitime à parler devant des centaines de personnes. Une zone de sécurité, on se sent chez soi. On n'est pas chez soi, comme la zone de confort, mais c'est tout comme. Et le Veggie World, bah, ça va être ça. Si tu souffres un peu de solitude en ce moment, je sais pas, parce que ça se passe pas bien dans ta famille, parce que t'as pas de potes vegan, parce qu'au travail, à la fac, au lycée ou au collège, t'es le seul vegan, le seul végétarien, et que c'est dur à vivre au quotidien, ben il faut que tu viennes au Veggie World. Tu vas voir, ça va être trop bien, parce que ça fait du bien de voir autant de gens investis comme ça, et tu te dis, mais en fait, on est nombreux, c'est trop bien, il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a plein d'associations, il y a des gens qui agissent sur l'alimentaire, il y a des gens qui agissent sur le cosmétique, sur le vestimentaire. C'est trop bien, il faut que tu viennes, ça va te faire du bien. Mais si tu peux pas te déplacer à Paris, regarde dans la ville où tu habites, les groupes, les associations. Je sais que sur Facebook, il y a plein de groupes, des groupes liés à des villes ou des villages, ou des régions, des départements. Et tu peux te rattacher à ces groupes et organiser toi-même des pique-niques, par exemple, ou voilà, des rendez-vous avec des personnes qui échangent la même idéologie que toi. Une autre zone de sécurité, évidemment, c'est quand tu vas faire du bénévolat dans les refuges ou dans des associations que tu aimes. Voilà, donc déjà, essaye toi d'établir quelle est ta zone de confort, ta zone de sécurité et ta zone hostile. Et tu vas adapter ton comportement, tu pourras mieux vivre les événements extérieurs et les rendez-vous sociaux en définissant ces zones. En tout cas, moi, ça m'a grave aidé. C'est-à-dire que maintenant, je sais comment me préparer face à une zone hostile. Je vois très bien. Une zone hostile, c'est pas forcément que désagréable ou que inconfortable. Mais c'est bien de y aller en sachant que, ok, donc là, je vais m'en prendre plein la gueule.
tu respires, tu te souviens que pour répondre à une attaque, une moquerie ou une provocation, la meilleure réponse c'est une question, ou que si quelqu'un a l'air vraiment intéressé, de toute façon tu le sentiras et tu seras apte à juger si l'interlocuteur en face de toi est ouvert à la discussion ou pas. Si oui, tu peux répondre aux questions avec calme et intelligence. Alors qu'en zone de sécurité, tu sais que tu pourras discuter sereinement avec à peu près tout le monde. Mais dans les zones hostiles, faut un peu s'y préparer, faut réfléchir à quelle prise de parole adopter selon qui on a en face de nous. Et si vraiment en face de toi, t'as quelqu'un qui est pas du tout d'accord et tu sais que vous allez pas du tout être d'accord, coupe court à la discussion, ne perds pas ton énergie, quoi. Il y a des gens avec qui je ne discute pas. Ça ne sert à rien, ça va juste m'énerver. Je vais perdre mon sang-froid et on va se battre. J'arrive à cerner maintenant à peu près qui j'ai en face de moi et sa position, ne serait-ce que par la question ou la réflexion qu'il va me faire. Et il m'arrive parfois de couper court à la discussion avant même que la discussion ait commencé. Mais de façon très calme, où j'explique que je ne veux pas avoir cette discussion parce que je pense qu'on ne sera pas d'accord. Donc je le dis une première fois, calmement. Si la personne continue, bon, il va vite comprendre qu'il ne faut pas me faire chier très longtemps. J'ai deux choix. Soit rentrer dans son jeu, m'énerver et ça va finir en baston. Soit me protéger, prendre mes distances parce que ça va m'épuiser, parce que je vais m'énerver et que je vais être en réaction. Et que mes réactions, je me connais, elles sont très impulsives et que je vais peut-être dire des choses que je pense pas et que je vais devenir moi-même con, quoi. Comme lui, tu vois. Et ça me ressemble pas. Donc ce que je fais, c'est que je répète de façon un peu plus ferme que je ne veux pas avoir de discussion avec cette personne. Et puis cette personne, je l'ignore en fait. Voilà, elle dégage de ma vie, quoi. Je ne veux pas cette énergie dans ma bulle. Et ça, j'arrive à le mettre en place aussi parce que j'ai défini ma zone de confort. J'ai défini mes limites. Si quelqu'un franchit la limite, il n'est pas le bienvenu. Et j'ai pas envie de perdre mon sang-froid parce que ça m'est déjà arrivé. Et par rapport à moi, bon, c'est une chose. C'est moi et ma colère et mon impulsivité et ma violence. Mais surtout, je pense que c'est pas la bonne attitude à adopter si on veut servir la cause. C'est pas rendre service aux animaux que de débattre avec des personnes avec qui le débat ne peut pas avoir lieu. Tu vas te fatiguer pour rien, en fait. Tu vas te fatiguer pour rien. Enfin, moi, ça me fatigue pour rien, tu vois. Je vais pas discuter avec un chasseur. J'ai plus envie de perdre mon énergie. Et c'est encore deux choses différentes que d'avoir une discussion avec quelqu'un lié au mouvement vegan, à nos choix de vie, à la protection animale, au réchauffement climatique, à la protection de l'environnement, et juste quelqu'un qui se fout de ta gueule parce que c'est toi. Et je me rends compte que ce qui se passe le plus souvent, c'est que j'ai beaucoup plus tendance à perdre mon sang-froid quand il s'agit d'une attaque liée à la défense des animaux, au mouvement de la protection animale et environnementale, que moi. Quelqu'un qui se fout de ma gueule, qui m'insulte, qui me fait une grosse réflexion sexiste. Bon, je sais que c'est son propre miroir et qu'en face de moi, j'ai un gros coup. Mais quelqu'un qui se fout de la gueule et qui insulte les véganes, ou le mouvement vegan, les défenseurs des animaux, pour moi, c'est quelqu'un qui insulte les animaux eux-mêmes. Et c'est là que ça me fait mal. Ce que je fais encore aujourd'hui, c'est juste de donner de la voix pour ceux qui sont sans défense, les animaux. Et quand je vois une insulte liée aux véganes ou quoi, moi je l'entends comme une insulte aux animaux. C'est comme si j'entendais que c'est pas le végan en lui-même qui l'insulte, mais toute sa démarche, et sa démarche, elle est tellement belle que de l'insulter, c'est pathétique en fait. Et ça me fout la rage. Comment tu peux manquer de respect à quelqu'un qui veut protéger des animaux maltraités, quoi? Ça me dégoûte.
lire juste mes notes parce que j'ai noté plein de choses. Je pars un peu dans tous les sens, ça vous fera une petite respiration. Fais une pause, prends-toi un thé ou une bière, je sais pas. Liste des situations qui me font souffrir. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Ah ouais, non, c'est tout le temps. Tous les jours, en tout cas. Se sentir seul en tant que vegan, c'est une sensation qu'on a tous les jours. Le mois prochain, ça fait 8 ans. Ça veut dire que ça fait 2920 jours, bientôt, que je me sens seule tous les jours. Et 2920 anecdotes que je pourrais vous raconter, quoi. Sachant que certains jours, y a plusieurs choses qui se passent. Donc c'est des milliers, quoi. Donc c'est beaucoup trop. C'est déjà trop. D'où l'importance de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est pas mettre un masque à l'argile et te faire les ongles. Quoique, moi ça me fait du bien. Ça fait partie des choses qui me font du bien. Prendre soin de toi, ça va être prendre soin de ce que tu manges. Ça va être prendre soin de ta santé physique, de ta santé mentale. Surtout. Avec une activité qui entretient ta vitalité. Il y en a plein. L'alimentation, le sport. Prendre soin de toi, c'est aussi mettre en action des choses qui vont construire ton bonheur sur le long terme. Je répète cette phrase, prendre soin de toi, c'est aussi mettre en action des choses qui construisent ton bonheur sur le long terme. Ça, il n'y a que toi qui sais ce à quoi tu aspires. La deuxième chose que tu vas faire, tu prends un autre papier et un autre stylo et tu écris ce à quoi tu aspires. Quelles sont tes aspirations? À quoi tu rêves? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureux? Mais toi, pour de vrai, pas ce que les autres voudraient que tu sois, pas en fonction des autres, toi. Et autorise-toi ces moments de joie, de bonheur, et prends-en conscience. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, le bonheur n'existe pas, il n'existe que des moments de bonheur. Mais je l'ai déjà dit en vidéo, ça je crois. Et quand tu traverses un moment de bonheur, prends-en conscience. Et vas-y, kiffe. On n'a qu'une vie. On souffre énormément parce qu'on a cette sensibilité-là. On est né sur Terre, sur cette Terre-là, avec tout ce qu'elle est et avec notre sensibilité. Et je suis désolée de t'apprendre que ça ne va pas changer demain. Ni le système, ni ta sensibilité. Et ta sensibilité, elle est belle. Et ta sensibilité, ça peut être ta force. C'est pas une faiblesse que d'être sensible. Surtout si t'es sensible aux choses injustes, quoi. Ta sensibilité, elle est essentielle. On voudrait te faire penser que c'est une faiblesse parce que ta sensibilité dérange et que ta sensibilité, elle force les gens à penser un peu. Mais moi, je t'invite à déployer ta sensibilité et à en faire quelque chose de créatif et qui fait avancer les choses vers un monde plus juste. Putain, mais oui, bien sûr, fonce quoi. C'est ok d'être sensible, de pleurer devant des images d'abattoirs où on écartèle des agneaux, mais c'est les autres qui sont insensibles à ça qui ont un problème en fait, et on veut nous faire penser que c'est nous qui avons un problème. Moi je suis là pour te dire que heureusement que tu existes. Merci d'exister. Ça me rassure de savoir que je suis pas la seule complètement anéantie devant ces images et qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi et qui se disent qu'il y a un problème. Et que c'est un problème mais extrêmement grave à l'échelle internationale et qui concerne des milliards d'individus. Et ça me donne le vertige quand j'y pense. Et là je parle des abattoirs, mais c'est la même sensation quand je vois les images de la pêche et des remontées de filets qui pêchent 250 tonnes de poissons par jour, ça me fout le vertige, ça m'angoisse, ça me sidère, ça me révolte. Et je me sens tellement petite, quoi. Et cette sensation-là de se sentir tout petit, c'est exactement ce dont parle cette vidéo sur la solitude.
on se sent tout petit alors qu'on est tellement nombreux. Et que quand on se sent seul, on a exactement cette sensation-là de se dire on n'y arrivera pas, ce que je fais ça sert à rien, de toute façon on regarde le monde dans lequel on vit, mais moi j'abandonne quoi. Et cette sensation-là, c'est cette sensation de solitude-là qui nous fait penser que on n'y arrivera jamais quoi. Et c'est pas vrai. Et on se situe entre croire que non, on va y arriver parce qu'on est très nombreux en fait, et il y a plein de choses qui avancent. Et regarde ce qui se passe avec les cirques, ça y est, on commence à interdire les animaux sauvages dans les cirques. Regarde ce qui se passe avec la fourrure, il y a plein de grands noms de la mode qui ont banni la fourrure de toutes leurs collections. Il y a de plus en plus de cosmétiques qui proposent des contenus vegan et non testés sur les animaux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Mais il y a aussi toutes ces autres choses qui nous font nous sentir seuls et petits. Tout ce qu'il y a d'horrible, tu vois, qu'on vit tous en ce moment, quoi. C'est de l'actualité, depuis 10 ans, c'est pire en pire. Et tu vois le monde s'écrouler comme ça et tu fais... Est-ce que ça sert à quelque chose, finalement, que je nettoie ma conserve de sauce tomate avant de la mettre au tri des déchets, tu vois? Il y a quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Et qui nous fait voir l'abomination de la race humaine, mais de certains hommes, pas de tous, heureusement, tu vois. Et tu te dis que tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la cruauté et de la destruction. Ou est-ce qu'on choisit de ne pas être ces hommes-là, et d'être ceux qui soignent, et qui défendent, et qui protègent? Et quand tu veux appartenir à cette humanité-là, qui sauve et qui répare, on te fait porter toute la misère du monde sur le dos. On pointe du doigt tout ce que tu ne fais pas. On te responsabilise de l'état du monde actuel. Exemple, tu décides d'avoir un mode de vie vegan, il y aura toujours quelqu'un pour la ramener et te culpabiliser du fait que tu fais un truc qui a un impact négatif. Et je suis très bien placée pour le savoir parce que je m'expose et je reçois quotidiennement de la négativité. Et j'observe ça avec beaucoup d'intérêt. Et c'est assez incroyable de voir à quel point il est plus facile pour les gens, beaucoup plus commun, de critiquer que d'encourager. Et je me dis, mais ces gens-là, ils font ça avec leurs enfants aussi. Ces gens-là, ils font ça avec eux-mêmes aussi. Toujours voir ce qui va pas. Toujours voir le mal partout. Toujours mettre en lumière ce qui va pas. Et en fait, ces gens-là, ils te font te sentir comme ça. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, à force d'être montré du doigt tout le temps, ah, tu fais pas ci, tu fais pas ça, ah ouais, t'es vegan, mais tu fais ci et tu fais ça, toi-même, tu commences à te comporter comme ça avec toi-même. Et en fait, si tu les écoutes, tu deviens fou. Tu commences à culpabiliser de tout ce que tu fais. Mais t'es pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Déjà, vois tout ce que t'as fait. Et à moins d'être irréprochable, pur et parfait, ce qui n'existe pas, tu n'as rien à me dire sur ma façon de vivre. Rien. Et d'ailleurs, ça ne m'impacte plus, les gens qui m'accusent de faire ci, ça, alors que je suis végane. Et on ne dit pas assez souvent que ce qu'on fait, ben, c'est bien, c'est nécessaire. Moi, j'ai envie de te dire que c'est nécessaire tout ce que tu fais, en fait. À chaque fois que tu fais une assiette, et qu'il n'y a aucun produit d'origine animale dans cette assiette et que tu la publies sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire merci. Moi, je te dis merci. Sauf que quand on fait ça, t'as un flot de critiques, de commentaires merdiques, de moqueries, c'est un truc de ouf. Et en fait, d'être exposé en permanence avec des gens qui sont pas véganes alors que toi tu l'es, c'est hyper toxique. Ces gens nous demandent d'être purs, alors que c'est impossible de l'être dans le monde dans lequel on vit. Et qu'eux-mêmes ne le sont même pas, quoi. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi à partir du moment où tu t'engages pour quelque chose, on remet en question cet engagement, plutôt que en être curieux et avoir envie de suivre ce chemin.
Et ça, j'aimerais bien que ça change déjà les uns avec les autres, mais en fait, avec toi-même. Je te dis ça pour toi, en fait. Quoi que tu fasses, on va te critiquer. Je te le dis. Et parfois même, on va commencer la critique en disant « Ah ouais, bah franchement, engagé comme tu es, je pensais pas que... engagé comme je suis, tu pensais pas que je ferais ça ? Ou que je fais ça ? Mais engagé comme je suis, c'est déjà beaucoup, non ? C'est déjà bien, non ?» Et parfois, je pense que les gens s'en rendent même pas compte, tu vois. C'est juste... ils ont besoin de décharger aussi, ils ont besoin de se déculpabiliser eux-mêmes, tu vois, parce que je pense qu'on est tous conscients de ce qu'on fait et que personne n'est parfait et que quelqu'un qui va te reprocher ce que tu fais pas, c'est pour un peu se déculpabiliser lui-même de ce qu'il ne fait pas. Et que toi, il se trouve que t'as arrêté de manger de la viande, tout le monde sait que c'est de la merde, qu'il faut arrêter de faire ça. Et du coup, tu lui renvoies au fait que lui continue et que majoritairement, sauf cas social, quoi, tout le monde est d'accord avec le fait que ce qu'on fait vivre aux animaux, dans les abattoirs, les élevages, c'est l'enfer sur Terre. Mais certaines personnes n'ont pas fait encore le choix de boycotter cette industrie et continuer à manger de la viande, tout en sachant que c'est pas bon, quoi. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que ils arrivent à te mettre dans le crâne que ce que tu fais, c'est pas assez. Je suis en train d'écrire une autre vidéo qui s'appellera « C'est jamais assez » ou « Être vegan, c'est jamais assez » pour parler de ça plus en détail parce que à croire que être vegan c'est pas assez. C'est pas assez déjà ? Putain, parce que c'est assez fou de se dire que déjà avoir un mode de vie vegan, c'est tellement d'efforts, c'est tellement de sacrifices, c'est tellement de changements d'habitude, c'est tellement d'actions, quoi, de tous les jours. C'est un vrai dynamisme, c'est un vrai engagement, quoi. C'est dur, c'est beaucoup. Et il y a des gens qui arrivent à nous faire penser que c'est pas assez et que c'est pas beaucoup. Mais ils savent pas tout ce que j'ai dû mettre en place dans ma vie pour changer d'habitude, pour viser mon objectif de véganisme. C'est gigantesque. Mais ils ont même pas idée, mais je te le dis, ils ont même pas idée, ces gens-là, de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'il faut changer, de toute la difficulté, qu'elle soit sociale, mentale, pour vivre dans la société, de toutes les difficultés que ça engendre. Et encourage-toi, en fait. Et moi, je veux t'encourager, je veux continuer et m'appliquer à avoir ce discours-là, de t'encourager à émanciper ce petit pas que tu as fait en avant, à t'encourager à faire un pas après l'autre. Comme un enfant, quoi. Comme un enfant, il fait un pas et tu lui dis « C'est bien, vas-y, continue, avance, avance !» Et t'es comme ça devant et tu lui dis « Marche, marche, mets-toi debout, c'est bien, t'as fait un pas !» Et pas « Marche pas très bien, là, hein ?» Et même dans l'éducation qu'on donne aux enfants, d'éduquer d'une façon à dire que c'est jamais assez, c'est pas bon du tout non plus, quoi. Non, il faut dire quand c'est bien. Donc comporte-toi avec toi-même comme ça, encourage-toi, avance, et s'encourager, ça veut pas dire fermer les yeux sur tout ce qu'on fait pas, mais ne pas trop s'y arrêter, quoi. Parce que moi, si je me concentre sur tout ce que je fais pas, et si je me concentre sur toutes les agressions que je reçois tous les jours et toutes les personnes qui me disent « Ah ouais, Eva, t'as fait ci, t'as fait ça, machin », en fait, je vais perdre mon temps. En fait, ça va me tirer vers le bas. En fait, j'arrête. Il faut que je me concentre sur ce que je fais. Il faut que je me concentre sur les personnes qui m'inspirent, qui me tendent la main, qui sont en avant par rapport à moi et qui m'invitent à les rejoindre, quoi. Et pas qui me juge et me critique et voudrait me voir m'éteindre. Et je pense que tous les créateurs de contenu savent exactement de quoi je parle. Cette négativité, elle nous plombe. Et donc, rester focus et concentré sur ce qui va faire évoluer ma vie et mes habitudes et mon quotidien vers mon objectif.
et qui consolide ma décision, qui consolide mon choix, parce que ça n'est qu'une affaire de choix. Être végane, c'est pas une religion. On ne suit pas un dogme imposé par quelqu'un, par un livre ou par je sais pas quoi. C'est toi et toi-même et ta conscience et ta responsabilité. C'est nous et nous-mêmes, on a décidé, parce qu'on a pensé, on a fait preuve de libre arbitre. On a utilisé notre intelligence humaine, le propre de l'homme, c'est de faire preuve du libre arbitre. Et on n'arrête pas de nous rabâcher que l'homme est intelligent. Ben faites preuve de libre arbitre alors, si vous êtes si intelligent, pensez, ouvrez les yeux, réfléchissez, regardez les choses et agissez en fonction de ce que vous ressentez par rapport à ce qui est juste et moral. Et c'est dingue de se dire que aujourd'hui, d'être quelqu'un d'éveillé dans le monde dans lequel on vit, c'est être quelqu'un seul, quoi. D'être quelqu'un d'incompris, d'être quelqu'un qu'on définit comme radical ou extrême. C'est tellement une preuve qu'on est enlisé dans la merde et qu'ils ont réussi à nous endormir et à créer des générations d'idiots. Et quand toi t'essayes d'un peu relever tout ça et de sortir de tout ça et de t'arracher de ce système-là, on te montre du doigt et on t'accuse et on te critique et on te rabaisse. Donc je pense aussi que c'est à nous de les uns les autres s'encourager en fait et de prendre des habitudes pour mettre des petits messages, des commentaires, ce qu'on appelle la bienveillance hein, finalement. Pour c'est souvent parce que on voit pas les résultats de ce pourquoi on agit et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc ce qui est important de faire, c'est de créer des actions de résultats instantanés, qu'importe le domaine de ta vie. Ça va être, si tu fais un régime, de voir que tu avances, ça va être d'aller dans un refuge et de voir qu'une action envers un animal qui a été maltraité a un impact positif sur sa vie, ça va être signer une pétition. Ça va être des petites choses comme ça qui nous aident à voir, à pas que voir le résultat qu'on ne verra jamais. Hein, voilà. Évite de faire des choses qui te fragilisent. Je sais pas, prendre de la drogue, te bourrer la gueule, être dans des relations toxiques de merde, des gens qui te tirent vers le bas. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour une cause. Fais-le pour quelque chose qui a du sens et qui te donne une raison de vivre. Moi, ma raison de vivre, pour laquelle je dois être solide, j'ai envie d'être solide, c'est la protection des animaux. Mais après, je me mets pas trop la pression non plus, c'est-à-dire que j'ai le droit aussi de prendre un peu de distance par rapport à ça, j'ai le droit de me reposer. Si je suis pas solide, c'est ok, et je sais que le mouvement continue. Des cuisiniers véganes, il y en a plein. Des activistes, il y en a plein. Des gens qui agissent, il y en a plein. Voilà. Ça me fait penser à deux choses, cet enregistrement. L'idée des priorités. Cet enregistrement sonore, il me fait penser à deux choses. Déjà, ouais, établir des priorités. On n'est pas responsable de la misère du monde. Et on ne peut pas agir... sur tous les terrains, quoi. Donc c'est à toi d'établir ce qui est le plus important pour toi. Moi, en priorité, je veux épargner les animaux, voilà. Ça veut pas dire que c'est la seule chose importante pour moi, mais c'est la plus importante. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi aussi, voire tout aussi importantes. Et je sais que toi aussi, donc c'est à nous d'équilibrer ça et vraiment de faire un ordre des priorités. Tu ne peux pas être sur tous les fronts et mener ta vie aussi. Et je sais que parfois, il y a des choses qui passent au second plan, qui sont des priorités pour d'autres personnes, et c'est là que ça coince. Par exemple, la dernière fois, je suis allée chez Avril, donc il y a un magasin Avril, c'est des cosmétiques bio, et je pensais qu'ils étaient tous vegan et cruelty free. Ben, pas du tout. Donc j'y vais et je demande à la vendeuse de me conseiller. Et je lui dis alors tel produit, parce que là sur le site il y a écrit que c'est vegan, mais là c'est pas vegan, et est-ce que vous pouvez me conseiller des choses, parce que je voulais moi m'acheter des choses et faire un cadeau aussi. Et alors déjà,
Donc la meuf, elle était complètement à la masse. Elle m'a dit, ben je sais pas, en fait ce qui est vegan, il y a l'étiquette. Attendez, ben je vais vérifier sur le site. Tu voyais qu'elle était pas du tout concernée en premier lieu, en tout cas par ça. Et elle me dit, tu vois, mais parce que pourquoi vous utilisez quoi d'habitude? Donc je lui donne des marques que je sais, vegan et cruelty free. Et genre, elle m'a répondu, ah oui, mais bon, d'accord, c'est vegan, mais bon, les compos, tout n'est pas bio, vraiment, il y a des choses pas clean, pas clean. Hein. Et en fait, c'est le genre de contact qui est problématique aussi pour moi, dans pourtant une même communauté. Elle, sa priorité, c'est d'utiliser des soins et du maquillage bio et sain et naturel. Moi, ma priorité, c'est d'utiliser comme soins et maquillage dans mon quotidien des ingrédients qui n'ont pas exploité les animaux. Dans les animaux, j'inclus les abeilles, surtout les abeilles, dont nous avons grandement besoin, nous humains, pour polliniser nos légumes et les fleurs et entretenir la biodiversité sans laquelle nous ne pourrons pas survivre. Et donc c'était compliqué de discuter avec elle parce que déjà elle n'était pas capable de me conseiller et en plus elle voulait me convaincre que appliquer des choses sur ton corps qui sont bio c'est mieux que d'appliquer des choses sur ton corps qui ont exploité un animal. Et ce qui est terrible c'est que en vrai on est d'accord sur plein de choses et donc à la fin je l'ai remerciée d'avoir fait l'effort de vérifier sur le site internet et puis elle s'est excusée, tu vois, elle m'a dit oui c'est vrai qu'ils font de plus en plus d'efforts hein, pour éviter les produits d'exploitation animale mais bon en tout cas on est certifié bio hein. J'avais envie de lui dire mais je m'en fous, c'est pas ça que je cherche, je m'en fous pas, mais tu as compris ce que je veux dire. Et ça encore c'est une anecdote douce, tu vois, c'est pour te donner une idée de dans toutes les situations qu'on vit quoi. Donc déjà établis un ordre de priorité, moi mes priorités ça va être donc les animaux, l'environnement et en troisième ma santé. Et avant il n'y avait même pas ma santé, tu vois, c'est venu en conscientisant plein de choses. En conscientisant quoi ? En conscientisant le fait qu'il faut que je sois solide mentalement et physiquement et que prendre soin de moi c'est arrêter de mettre de la merde dans mon corps. Et tu vois dans ce vocal là qu'on a écouté, je survole le sujet, il y a une chose qu'on fait tous, je pense qu'on a tout fait et que font beaucoup de personnes qui sont sensibles à une réalité qu'ils subissent, c'est qu'on va y chercher des échappatoires et qu'on va chercher des échappatoires faciles pour évacuer notre peine et on va les chercher dans les substances, ça va être l'alcool, la drogue, les pétards et en fait ça va peut-être te soulager sur le moment mais c'est pas l'impact le plus efficace que tu peux choisir pour construire ton bien-être. Faut que tu réfléchisses à ce qui te fait du bien, genre vraiment quoi. Moi je l'ai fait, hein, tu vois, de me mettre la mine le week-end, de me mettre la tronche à l'envers parce que la réalité est insupportable et il faut que je me soulage, quoi. Bon après ça c'est une autre démarche, hein, c'est un accompagnement d'addictologie. mais réfléchis à ce qui te soulage en fait et à ce qui te fait voir que la réalité peut être belle et agréable. Et en fait, tu vois, dans ce délire de voir le mal partout et voir tout ce qui va pas et tout, les autres se comportent comme ça avec toi, toi tu te comportes comme ça avec toi-même et dans ta perception de la réalité. C'est-à-dire que tu vas voir aussi tout ce qui va pas. C'est bon, on est déjà assez conscient de ce qui va pas, bah pour nous, il faut qu'on fasse comme exercice de regarder ce qui va. Et moi, ça a été un exercice. J'ai pas du tout une personnalité... pour qui c'est une évidence que de se dire que la vie est belle et légère. Et je suis depuis toujours très très sensible à des choses liées à la souffrance, liées à la violence. Et je suis une éponge, quoi, tu vois, et j'ai beaucoup d'empathie. Et pour nous, les empathes, il faut qu'on se force, il faut qu'on s'applique à mettre des choses en place dans notre comportement au quotidien, de prendre conscience de vraiment
s'installer dès qu'on a une sensation de joie, dès qu'on a une vision qui nous plaît, un beau paysage, regarde-le. Il y a un truc qui te plaît, regarde-le, prends-en conscience vraiment. Tu te dis là, c'est hyper beau, là, ça, c'est beau. C'est beau, là, la vie est belle, la réalité, là, ce que j'ai dans mes yeux, c'est beau. Et petit à petit, il va y avoir un impact aussi physiologique, hein, des neurotransmetteurs dans ton cerveau qui vont faire que tu vas te sentir mieux. Et c'est comme ça que tu vas solidifier ton bien-être mental. Et petit à petit, ça va tellement te faire kiffer, ça va tellement te faire du bien, que tu vas comprendre comment solliciter ça dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta réalité. Et tu vas plus avoir besoin de te bourrer la gueule le samedi pour te sentir bien et ensuite en plus ramasser pendant 4 jours, mais faire des choses qui te font vraiment du bien. Et après quoi, tu n'as pas ramassé en plus pendant 4 jours. Et ça, pareil, il n'y a que toi qui sais. Moi, je ne peux pas savoir ce qui te fait du bien et ce qui te fait penser que la réalité, ça va. Et on est obligé de faire ça, nous. Parce que on sait que la réalité, elle est ignoble, tu vois. Mais il existe de fabuleuses réalités aussi. Et il existe des personnes en or également. Va chercher ces personnes-là. Reste au contact de personnes ressources, ça s'appelle. Qui te ressourcent. Cherche la ressource. Et fais ça un maximum. Ne vis qu'en fonction de ce qui te fait du bien, en fait. Cherche le plaisir en tout. Moi, c'est ma philosophie de vie maintenant, ça y est. Mais sans ça, je survis pas. Moi, j'ai un terrain très glissant vers l'ombre. Et par exemple, moi, des choses qui m'aident, qui pourront peut-être t'aider, parce que j'imagine qu'on se ressemble, si tu t'es abonné à moi. Déjà, ce qui m'a aidé, c'est d'être accompagnée par un thérapeute, quoi. Donc c'est à toi de savoir ce qui te correspond, est-ce que c'est un psychologue, est-ce que c'est un psychiatre. Si tu as besoin d'avoir un accompagnement psychiatrique et de prendre des médicaments pour te soulager parce que tu as un trouble anxieux, suicidaire ou dépressif, fais-toi aider. C'est ok, c'est humain. Moi j'ai traversé ça, on est plein à l'avoir traversé. Et j'en suis sortie, donc tu vois, c'est possible aussi. Sinon, tu peux faire de l'hypnose, moi j'en ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Un coach de développement personnel, un coach love, un coach sportif, un coach. Moi, j'aime bien les coachs. Titre. Tu peux faire appel à plein de choses. Ce qui m'aide, c'est de regarder des séries. Des séries qui n'ont rien à voir avec la protection animale. Des séries qui me font penser à autre chose. Bref, tu vois ce que je veux dire? Regarder des séries, des films. Moi franchement, il y a des documentaires qui sortent ou des vidéos d'enquête ou de reportages. Je ne les regarde pas parce que c'est trop. J'y pense tout le temps déjà, tu vois, à la cause environnementale, à la protection animale. Donc je choisis aussi ce que je regarde. Franchement, il y a des reportages, des fois j'ai vraiment envie de les regarder, mais je me dis là, j'ai pas envie de me rajouter ça. Voilà, ça s'adresse pas à moi, il y a des choses que je sais déjà, que j'ai pas envie de voir, de revoir, et j'ai besoin de penser à autre chose. T'as besoin de penser à autre chose des fois, de faire des activités qui n'ont rien à voir avec tout ça. Les images d'abattoirs et tout, je les regarde plus. Sur Instagram, par exemple, je suis toutes les associations de protection animale, mais je t'avoue que j'ai masqué leur contenu parce que je n'en peux plus de recevoir des images de la cruauté envers les animaux. Et moi-même, je propose sur Instagram un contenu qui soit toujours positif, tu vois. Jamais d'images avec du sang, ou c'est toujours des images de photographes animaliers. C'est toujours des belles images, des images inspirantes qui vont faire grandir notre amour pour le royaume animal et pour la planète. Parce que moi je suis très très sensible à toutes les autres images, j'ai pas envie qu'on me les impose. Et malheureusement il y a beaucoup d'images comme ça ou des vidéos qui sont imposées dans les feeds, quoi, quand tu scrolles. Et donc parfois j'ai besoin aussi de me détacher de mon téléphone. Il y a des vidéos que je regarde aussi quand même encore parfois.
parce que je veux me tenir au courant de ce qui se passe à titre informatif, mais ça fait mal quoi. Ça fait mal et je m'y ferai jamais quoi. C'est... Et selon les jours, soit ça me brise le cœur, soit ça me rappelle pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Et dans les moments de stress, tu vois, par exemple, avant ma conférence au Veggie World, je vais être stressée de prendre la parole et tout, et d'être devant une audience qui m'écoute avec un micro, quoi. Mais je pense que je vais me regarder quelques bons documentaires avant pour me rappeler quel est le sens de toute cette démarche et pourquoi est-ce que il y a des années, et encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui décident d'avoir ce mode de vie-là. Et d'arrêter de manger les animaux. Ouais, parce que penser à autre chose, c'est ça qu'on cherche quand on boit trop ou quand on prend des substances pour penser à autre chose. Parce que, ben voilà, parfois on rumine, ça devient une obsession ou on a vu un truc traumatique et cette violence-là, il faut qu'on s'en soulage, quoi. Et il faut qu'on pense à autre chose un peu pour laisser un peu d'espace à autre chose. Parce que c'est trop lourd à porter et c'est trop dur à vivre. Si tu as des problèmes d'addiction et que tu veux t'en sortir, fais-toi aider. Tu vas pas y arriver tout seul. Il y a des associations qui existent, qui sont là pour t'écouter, t'accompagner, te guider, t'orienter vers des addictologues qui sont là pour entendre les toxicomanes. Et même si c'est long, ce chemin, ben comme je te disais avant, concentre-toi, reste focus vers ton objectif et tu vas y arriver. Donc les substances et tout, ça va être surtout une perte de temps et d'énergie. C'est un impact à court terme. Pense à autre chose, ça va être plutôt dans le divertissement, se divertir, faire des choses pour s'amuser. Ou moi par exemple, une fois par mois, je vais me faire masser maintenant. Là, je pense plus à rien que les mains qui me massent, quoi. Ou n'importe quelle activité qui te font penser à autre chose. Bah oui, le sexe, bien sûr que ça fait du bien. Il faut faire des câlins. Des câlins, fais des câlins. Fais des câlins, fais du bien. C'est important de faire des câlins. Et là, ces deux dernières années, avec le Covid et tout, la distanciation sociale, c'est terrible. Moi, j'ai eu un manque de câlins, de contacts physiques et humains. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un vraiment de si tactile ou quoi, mais... Oui, non, je pense que c'est un besoin physiologique qu'on a que d'être en contact avec l'autre. Je pense qu'on est des animaux sociaux, hein, mine de rien. Même si je suis une grande solitaire, même moi, j'ai besoin de contact, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de contact. J'ai écrit « Tu as le droit d'être heureux. T'as une vie à vivre. Et tout ce que tu as mis en place, c'est déjà énorme. » J'ajouterai « Continue. » Se concentrer sur le beau, le bon, le positif. Se concentrer sur ceux qui agissent plutôt que ceux qui se plaignent. Faire du bénévolat, participer à la vie des maltraités, faire du sport, demander de l'aide. Avec les années, je me rends compte que la plupart de mes potes véganes, c'est des personnes qui sont très sensibles à l'injustice et à la violence. Et tu peux pas avoir fait ce chemin et avoir développé cette sensibilité-là sans toi y avoir fait un peu face, quoi. Sans toi l'avoir vécu, quoi. Et très souvent, je me rends compte que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont subi des violences, qui ont été humiliés, qui ont subi des injustices. Et du coup, on a besoin d'aide. Et on a besoin de positivité dans notre vie. On a besoin de se reconstruire. Et on est ce mélange entre une grande force et un grand dynamisme, puisqu'on est revenu de très loin et en même temps si fragile et vulnérable. Et vivre toutes ces grandes émotions, ben c'est parfois aussi pas facile à gérer. Et donc c'est ok de se faire aider, quoi. Se faire aider et s'aider soi-même. Il faut que tu t'aides
C'est pas t'aider que de boire de l'alcool tous les jours. C'est pas ça, t'aider. Il faut que tu t'aides. Parce que tu vois bien que personne ne le fait. Moi, j'ai envie de t'aider. Il y a des gens qui sont là pour aider les autres. Mais c'est pas tout le monde. Et vois autour de toi qui a vraiment envie de t'aider. Et s'il y a personne, eh ben, y a des professionnels et des associations vers qui tu peux t'orienter, qui sont experts pour t'accompagner dans ta problématique. Danser chez soi, dehors, en club. Lire des romans. Oui, tu peux lire. Ah merde, j'ai plus de batterie. Faut que je change ma batterie. Ça veut dire que ça fait 2h30 que je tourne. Je commence un peu à avoir mal à la tête. Oui, c'est vrai. Où en étais-je ? Randonner, se connecter à la nature, naviguer. Pourquoi j'ai envie de pleurer ? Parce que ça me manque. Naviguer loin de tous et de tout. De prendre le large, n'est-ce pas ? La musique, c'est vrai. La musique, moi je peux pas vivre sans musique. J'écoute de la musique tout le temps. Quand je me réveille, quand je cuisine, quand je fais le ménage. Non, pour m'endormir, non. Et je danse comme une con. Chez moi, toute seule. Je m'en fous, il y a personne qui voit. Il y a que moi qui vois. Moi, ça va. J'ai arrêté de me juger et de me critiquer. Ah, je m'encourage. Ah. Donc si j'ai envie de danser comme une con dans ma chambre, et parce que ça me fait du bien, si ça me fait du bien et que ça suscite en moi une émotion de joie de vivre, oui, je continue à faire cette activité. Surtout. Et je le développe en plus. Mais ça vaut pour tout, n'importe quelle activité qui fait naître en moi de la joie. Les concerts, les festivals, dès que je peux, moi je vais en concert ou en festival. Bon, là c'était un peu compliqué ces dernières années. Si tout va bien, je suis au Hellfest cette année, peut-être qu'on s'y verra. S'éloigner des gens toxiques, oui. Ce qui est dur avec les relations toxiques, c'est que c'est parfois des gens qu'on aime. Donc il faut s'éloigner parfois de personnes qu'on aime. J'ai dû prendre mes distances avec des amis que j'aime. Et qui me manque. Et quand on fait ça, donc on s'isole. Moi, j'ai traversé des années d'isolement, des années de grande solitude. Elle était nécessaire et elle me fait du bien. Donc moi, j'aime ma solitude, j'en ai besoin. Et j'ai tellement trouvé mon bonheur dans cette solitude qu'il faut même que je fasse attention à pas trop m'y installer et m'enfermer dans ma solitude. Parce que j'ai aussi besoin de contact humain. Mais pas n'importe quel contact humain. Et je me suis rendu compte aussi au fil des ans que au plus j'avais un rapport sain avec moi-même, au plus j'ai un rapport sain avec les autres. Et que j'ai eu un rapport toxique avec mes proches, mes amis, ma famille, dans mes relations de couple, quand moi-même j'étais dans une dynamique toxique envers moi-même. Mais ça, j'ai mis 20 ans à le comprendre, quoi. Pense à toi en priorité, et si quelqu'un te fait du mal une fois, ça va, deux fois, c'est un choix. Hein. Agir. Agir, ça fait du bien. Hein ? Déployer son potentiel. Ah ouais, c'est super important ça. Pourquoi ? Parce que tu vois, quand on montre du doigt en permanence ce que tu ne fais pas, ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne fais pas d'assez bien, t'es en doute permanent de toi-même. Tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de toi, tu as peur de t'affirmer. Alors qu'on a tous un potentiel. Et concentre-toi sur ton potentiel. Et développe-le. Et en fait, ça fait du bien. On n'est pas obligé de faire ce qu'on ne sait pas faire, ou ce qu'on n'est pas doué à faire, pour faire. Et ça, c'est la première chose qu'on oublie de nous dire à l'école quand on est enfant. Qu'on nous note tous de la même façon. Mais on n'a pas tous les mêmes aptitudes. On est tous différents et on a tous un potentiel. Et on voudrait qu'on soit en bonne performance dans tous les domaines, partout, tout le temps.
Mais non, ça non plus, ça n'existe pas. Moi, les chiffres, ça me donne mal à la tête. Par contre, l'écriture et la littérature, j'adore ça. Ou la vidéo, ou la cuisine. Donc déploie ton potentiel. Je sais pas quel est ton potentiel, mais déploie-le. Concentre-toi sur ton potentiel, plutôt que sur ce que tu ne sais pas faire. Je vais pas faire un exercice de maths cet après-midi, ça m'énerve, je comprends rien en maths. Par contre, je fais une vidéo pour aider des gens véganes dans leur décision de mode de vie végane parce que j'ai un potentiel de communication et de montage vidéo. Voilà. Et là, je suis utile. Et là, je contribue à la société. J'ai un grand besoin de contribution. On a tous, je crois que c'est dans les 7 besoins essentiels de l'homme, il y a le besoin de contribution. Moi, il est quand même très développé, je crois. Et contribuer, ça m'aide aussi à mieux vivre dans la société, je crois. Donc, tu vois, je viens de dire agir, ben, je dirais agir pour contribuer. Contribuer. Décrocher des réseaux sociaux, éteindre la télé, faire des chocolats chauds. Bah, se faire un plaisir en mangeant, ça fait du bien, ça c'est sûr. Bah, moi, cuisiner, c'est sûr que c'est une des activités les plus méditatives de mon quotidien, ça me fait du bien. Il y a des gens qui aiment pas du tout cuisiner, mais moi j'adore, voilà. Je suis dans ma bulle, je mets ma musique, je pense à rien quoi, je pense à éplucher mes carottes, à créer. Je suis devant mon placard à épices, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour me péter le bide. Ça me fait bien faire ça. La présence des animaux. Moi, la présence des animaux m'aide beaucoup. J'ai besoin d'être à leur contact. La meilleure décision que j'ai prise ces dernières années, c'est d'adopter. J'ai adopté 2 chatons que j'ai rescapés de la rue. Je voulais pas des chats parce qu'elles sont carnivores. Mais c'est comme ça, j'ai rescapé des chats. Donc je vis avec et je les aime malgré nos différences. Et je leur apporte tous leurs besoins. Donc si tu vis mal ta solitude, je t'invite à adopter. Attention, ne pas acheter un animal en animalerie, mais bien à adopter un individu en refuge, issu de maltraitance par exemple, ou juste suite à un abandon. Et attention, si tu adoptes, ce n'est pas que pour toi. N'adopte pas si tu ne peux pas répondre aux besoins de l'individu que tu as adopté. Si tu travailles toute la journée et que tu laisses ton chien dans ton appartement de 20 mètres carrés et que tu le balades 1 heure par jour alors que c'est un chien ultra sportif, non. Adopte quelqu'un, j'allais dire. Adopte un animal qui correspond à où tu vis, à ton rythme de vie et à ce que tu peux apporter à cet animal. Je te le demande parce que cet animal va t'apporter toi beaucoup. Donc la moindre des choses, c'est de répondre à tous leurs besoins. Parce que tu vas devenir responsable de cet individu qui va dépendre de toi pour vivre. C'est horrible, mais c'est les conséquences de toute la domestication que l'homme a créée. Et aujourd'hui, il y a des individus qui souffrent dans les refuges, et c'est à nous d'en sauver quelques-uns, voilà. Bon, bah là, je peux. Bon, bah moi, j'étais dans une phase de vie où je pouvais répondre aux besoins d'une tortue et de 2 chatons. Bah, j'ai décidé de les accueillir dans ma vie et d'en devenir responsable avec tout ce que ça inclut. Mais moi, ma vie a changé depuis qu'elles font partie de ma vie. Elle m'apporte une présence, elle m'apporte un réconfort, elle m'apporte de la douceur, elles me font rire. Et dès que j'ai un jardin, je sais que je vais adopter 3 chiens, quoi. Ça me manque tellement. Et puis des poules, et puis un cheval, et puis... Un jour, j'aurai un terrain. Je te le dis, moi. Un jour, je vais y arriver. Hein. Si tu peux pas adopter, tu peux faire du bénévolat, donc, avec des associations, dans des refuges. Je crois que la SPA a souvent besoin de bénévoles le dimanche pour promener les chiens. Mais pas que la SPA, je crois qu'à peu près tous les refuges pour les chiens ont souvent besoin de bénévoles pour promener les chiens. Sinon, on voit les refuges à côté de chez toi. Hein. Je sais qu'en ce moment, le refuge des protégés de William a besoin de bénévoles. Donc tu peux y aller, ils sont vers Mâcon, donc c'est, si t'es dans la région ou si t'as du temps, ben va les voir, va les aider. Mais ouais, moi dès que je peux, je vais voir des animaux quoi.
pas forcément que des animaux qui ont souffert, parce que ça peut être très dur aussi, mais juste jouer avec un chien, un chat, je sais pas. Je vais terminer cette vidéo avec une notion hyper importante que j'ai très envie de partager avec toi, c'est que souviens-toi toujours que tu n'as de preuves à faire à personne. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour tous les vegans qui me suivent, et je tenais à faire cette vidéo parce que un jour j'avais vu un truc qui m'avait fait halluciner, de quelqu'un qui avait parlé de ça, des difficultés qu'on a à vivre dans la société quand on est vegan, et il s'était pris un flot de commentaires de la part des autres vegans en disant « Ouais, bah ça va, toi, mets-toi de côté, tu devrais penser aux premières victimes qui sont les animaux. » Quel intérêt de dire ça, en fait? Comme si on ne pensait pas à ces victimes tous les jours que sont les animaux. Et je trouve ça tellement grave de dire ça et tellement faux. Je veux faire cette vidéo parce que je veux défendre les défenseurs des animaux. Je veux vous donner de la force. Il faut qu'on ait de la force. Je pense que ces personnes qui disent ça à quelqu'un qui se plaint du fait que c'est dur de vivre dans la société quand on est végane, comme je suis en train de faire hein, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de ce que c'est que de défendre les animaux aujourd'hui. On n'a peut-être pas la même notion non plus de ce que c'est que de défendre les animaux. Aujourd'hui, les défenseurs des animaux, c'est des personnes victimes aussi. On est victime de cyberharcèlement, de menaces de mort, d'intimidation. Certains subissent des agressions physiques, certains subissent des violences psychologiques, à l'école, au travail, dans leur famille. Certains sont emprisonnés ou en procès et risquent la prison pour avoir sauvé des vies. Et d'autres se font tirer dessus par balles ou par des projectiles non identifiés. Il suffit que vous vous intéressiez à la vie des rangers qui luttent contre le braconnage en Afrique ou à ce que vivent les équipages de l'association Sea Shepherd. Vous verrez ce que c'est que de défendre les animaux en 2022. C'est dangereux. Ou encore de voir ce à quoi doit faire face Pierre Rigaud en France, pour ne nommer que lui, qui est un naturaliste que j'adore et que j'admire énormément pour son courage, qui ne fait qu'informer des méthodes cruelles liées à la chasse et qui reçoit quotidiennement des menaces de mort, des intimidations, qui a subi des agressions physiques et qui a porté plainte des dizaines de fois et qui est en danger. Et qui ne reçoit aucune protection de la part de l'État. Menaces de mort et intimidation de la part de personnes armées qui ont le droit de se servir d'une arme. Mais c'est hyper grave. Donc aujourd'hui, travailler dans la défense des animaux, c'est une discipline à haut risque. Et c'est pour ça que ça me fait vriller quand je reçois des réflexions de la part de personnes qui nous rabaissent ou qui rabaissent le mouvement et les actions de mes amis ou les miennes. Et qui renvoient une image des véganes comme une image de grosse fiotte, quoi. Ah putain, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que on n'a pas du tout la même définition de ce que c'est qu'un vegan. Je sais pas pourquoi on a cette image de gens cucu la praline, un peu teubés. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais pas réussir à faire le montage de cette vidéo et puis elle va être beaucoup trop longue. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire que moi aussi je suis seule. Et que cette solitude, elle me fait du bien, quelque part elle m'aide, et que je suis de plus en plus en paix avec moi-même, du coup. Et j'ai plus envie de perdre de temps avec des personnes qui me comprennent pas ou qui me font du mal. Et tu devrais en faire de même, en fait. On n'a qu'une vie, profites-en, on perd pas de temps avec des personnes mal intentionnées à ton égard. Donne ton énergie à des gens qui te choisissent. C'est ce que je fais aujourd'hui. Vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous m'avez choisi. Donc je me concentre sur vous plutôt que à tous les autres.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.